We came out to this event because we so believe in what's going on at Mohammed VI University. Interaction, this interactive opportunity, this chance to give kids a future and jobs is so important to Morocco. It's so important to the United States. It's so important to USAID that we're pleased to be here and be part of this today. Le centre interactif digital que nous ouvrons aujourd'hui est une opportunité pour les jeunes lauréats de l'université Mohammed VI Polytechnique, mais aussi des industriels de se former pour des métiers du futur à travers la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Aujourd'hui, on parle de la quatrième révolution industrielle, on parle de plus de 70% des métiers de l'avenir qui n'existent pas aujourd'hui. Donc l'objectif est de permettre à tous les opérateurs, que ce soit des opérateurs industriels, locaux, africains ou internationaux, de s'adapter avec les besoins du marché futur du travail et surtout des besoins de l'industrie du travail. Si vous voulez, pour répondre à la question pourquoi l'université Mohammed VI Polytechnique est impliquée dans ce genre de projet qui ont une taille internationale, c'est simple, on peut le résumer en fait dans deux points. Le premier point, c'est que l'Afrique l'a compris un peu tard, que quoi qu'elle fasse, elle a raté le train de l'industrie et que le seul train qui reste aujourd'hui à prendre, c'est le train de l'innovation. Et justement, le digital, ça permet d'entrer d'une façon, on va dire, avancée dans le train de l'innovation avec pas mal d'atouts et pas mal de compétences. Le deuxième point, c'est que l'Afrique, elle a compris aussi, un deuxième point, parce qu'on est en Afrique, donc on va parler le langage africain, c'est qu'il faut sortir du modèle de consommation technologique. Il faut se positionner en tant que producteur technologique. Et justement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Nous sommes dans un projet qui est porté par plusieurs partenaires. Nous avons l'Agence de développement digital, nous avons USAID, l'Agence américaine de développement international, nous avons l'Université Mohammed VI, l'Université Mohammed V de Rabat, le ministère de l'Industrie et le ministère de l'Enseignement supérieur. Et le projet s'articule en trois parties. Un projet, on va dire, première partie, de création de contenu de réalité virtuelle dans ce qu'on appelle la Virtual Reality Innovation Academy, c'est l'académie de création de contenu, d'innovation, de création de contenu de réalité virtuelle. Nous avons un Development Lab qui est juste à côté, c'est un espace pour les développeurs et les gens qui veulent expérimenter. Et un troisième élément, c'est la showroom que vous voyez aujourd'hui, qui est notre practice, la partie pratique, mise en pratique des acquis. Ceci permettra d'embellir l'image Made in Morocco et plus généralement l'image Made in Africa.